Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut intégrer le contenu d'un site externe dans un article du blog. Donc ici, nous allons utiliser un Padlet. Comment fait-on ? Eh bien, on clique sur le site. Par exemple, je vais aller chercher mon Padlet. Je tape Padlet dans Google. Je clique sur le lien. Donc ici, moi, je suis déjà connecté. J'ai déjà un compte sur ce site-là. Et parmi les Padlets, eh bien, je vais prendre par exemple ce Padlet sur la guerre 14-18. Et ici, dans l'export, le partage, je clique. Et j'ai ici, moi j'utilise WordPress, donc c'est ce code-là que je vais récupérer. Hein, on nous dit de le copier et de le coller. Alors comment est-ce que l'on fait? Eh bien, on le sélectionne. On clique sur CTRL-C sur le clavier. Ensuite, on vient sur son article. On se met en mode texte. Et ici, vous voyez, je vais aller à la ligne et je vais faire un coller. Vous voyez? Tout simplement. Je clique sur visuel. J'enregistre mon brouillon. Je clique sur aperçu et je devrais voir maintenant, vous voyez, mon Padlet qui est directement intégré, vous voyez, dans l'article. Alors évidemment, il est aux dimensions de l'article, hein, donc par exemple 580 pixels. Donc si je veux afficher en grand mon Padlet, je dois faire un clic droit, ce cadre, afficher ce cadre uniquement. Pour voir l'ensemble du Padlet, voyez, sur ma page. Voilà, c'était aussi simple que cela.